Alors je rappelle le principe, classement, tous les 7 tours, 5 points, 3 points, 2 points et 1 point. Il y a le bonus de 20 points si vous prenez un tour au peloton. Et le malus, bien sûr, pour ceux qui perdent un tour, en sachant que ceux qui ont deux tours de retard devront quitter le vélodrome. Voilà, messieurs les arbitres, on est prêts pour le départ. 17 partants. Oh, il y a du monde de l'autre côté. Oh oui, le public lorrain nous a rejoint sous les arbres. Ah, c'est parti pour 35 tours. Qui est malheureusement un petit peu décomposé. Alors la tête de course, mesdames, messieurs, elle repose sur les deux points encore. Les 5 points au tour suivant. On peut l'encourager, Nicolas Haute. C'est le dossard numéro 16. Le peloton va l'air emmené par Paul Sage, Vincent Martins. Il y a Hugo Zanetti également. Il y a... Allez, c'est parti. Alors, Luc Kéry, c'est très simple. Regardez Claude Lambert. Comment il a procédé. Il ne va pas chercher à prendre la première place. Il va se mettre en deux, troisième position. Il a bien jailli le vélo moteur. Donc, l'engin motorisé, on va dire, puisque ce n'est pas un vélo moteur, eh bien, va rouler progressivement de 20 km/h à 45 km/h. Et il va emmener, eh bien, ses concurrents à vitesse élevée pour les départager dans un sprint. Alors il est interdit de doubler l'engin motorisé. On peut venir frotter entre coureurs. Ça se passe derrière. Derrière. Jean-Samuel Dupril. Ça se passe derrière. Encouragez Sébastien Sayer. Il est derrière Sébastien Sayer. Avec Paul Sage dans la roue. Avec également... Alors, il y a également Romain Tobolkenel là. Le président du Pays du Nord en bleu. Et il y a Romain Tobolkenel qui est dans le bon peloton. Ah si, Chanel, il a loupé le... Il a loupé le bon peloton là, vous voyez. C'est pas possible là, hein. Si. Il dit que c'est mauvais. D'accord, merci.